En ce moment, il y a vraiment les deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de la bulle. C'est-à-dire que dès qu'on aura fini avec ça, on va refermer la parenthèse et on va s'empresser d'oublier ce qui s'est passé et on n'en tirera aucune leçon. Tellement on sera content d'oublier ce qui s'est passé et de revenir dans nos bonnes vieilles classes avec nos élèves, etc. Et l'autre hypothèse qui est de dire non, ce qui s'est passé, c'est quand même unique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est unique dans l'histoire de l'enseignement. Ça n'est jamais arrivé à l'histoire de l'enseignement de dire du jour au lendemain, à peu près partout sur Terre, toutes les classes ferment. C'est unique. Et donc on va bénéficier de ça. Et c'est vrai que là aussi, scientifiquement, moi je dis il y a deux hypothèses, je ne sais pas laquelle va gagner. Après, avec mes convictions, bien entendu, j'aimerais que ce soit la deuxième. Et j'aimerais qu'on en tire des leçons. Et c'est vrai que la première leçon, me semble-t-il, et de loin la plus intéressante, c'est de se rendre compte à quel point la présence est précieuse. Et après de dire, ok, maintenant qu'on a dit ça, précisément c'est quoi qui est précieux dans la présence? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à distance et qui rend la présence tellement précieuse? Je vous dis, si on a une idée plus claire de ce qui est précieux dans la présence, bien on pourra petit à petit élaborer une idée qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire à distance, notamment avec l'aide des outils, et que c'est repenser la complémentarité entre présence et distance en tirant des leçons de nos réussites et de nos échecs, qui pourrait être intéressant. Et après, il y a une autre chose qui, moi, m'a complètement fasciné, c'est que notre premier réflexe à nous tous, ça a été de dire, il y a le confinement, donc je vais transposer ce que je faisais en présence et je vais le faire à distance. Donc, des classes virtuelles, des choses comme ça. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Une classe virtuelle, c'est l'enfer. On ne peut pas interagir avec 30 élèves derrière 30 caméras, pareil qu'avec une classe. Et en fait, enseigner à distance, ce n'est pas transposer la présence, c'est repenser l'enseignement. Avec des usages, des outils numériques qui ne sont pas forcément les outils du synchrone. Ce n'est pas forcément faire la même chose en même temps. Et peut-être qu'enseigner et apprendre, c'est aussi avoir un temps où un enseignant ou une enseignante prépare, planifie, envoie du travail, un temps où les élèves travaillent, puis peut-être un temps où ils sont ensemble. Mais ce temps-là, il va être beaucoup plus court et beaucoup plus ciblé que ce qu'il est en classe. Et ça c'est pas de moi, hein, c'est toutes les recherches dans le domaine le montrent, c'est que enseigner à distance, ça n'est pas transposer ce qu'on fait en présence, avec des outils qui nous font croire qu'on pourrait le faire, c'est pas transposer à distance ce qu'on fait en présence. Et ça, je trouve ça fascinant. Beaucoup d'enquêtes auprès des enseignants montrent ça. Pendant ces 2 mois, là, il y a eu ce premier réflexe, avec on va faire pareil, et puis on panique. Et puis petit à petit, de dire non, d'abord on panique pas, parce qu'en fait, on va y arriver. L'immense majorité des enseignants étaient dans ce truc, passé le premier moment. Et puis après, c'est petit à petit en adaptant plutôt qu'en essayant de transposer. C'est super intéressant.